Alors connectez-vous rapidement, connectez-vous chers amis, connectez-vous. Afrique de liberté, j'espère que vous allez bien depuis donc vos différentes positions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Connectez-vous rapidement, mesdames et messieurs, on va donc rentrer en profondeur tout à l'heure pour parler de ce qui se passe actuellement au Mali et aussi de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et si on a le temps, on va toucher un peu l'actualité de notre Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que nous soyons tous prêts pour le combat final qui est en train de se dessiner. Il faudrait que nous soyons soudés, unis, pour venir à bout de ce système qui, d'ailleurs, aujourd'hui, est en train de prendre l'eau. Voilà. Ce système aujourd'hui, mesdames et messieurs, le combat que nous menions tous depuis donc nos différentes positions, ce combat est en train de payer. Et comme j'ai pour habitude de le dire, nous sommes aujourd'hui en train donc de gagner cette guerre. Et pour ce faire, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Pour ce faire, vous savez, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, cette nouvelle mentalité, cette nouvelle génération, la génération consciente, vous savez ce qu'on doit faire. C'est ce qu'a fait le Mali, c'est ce qu'a fait le Burkina Faso, c'est ce que le Sénégal aujourd'hui est en train de faire. Il faut suivre la danse partout en Afrique. Chassons ces dictateurs parce que mettre fin à ce système, ça passe par libérer nos différents pays, nos différentes contrées. Et libérer nos pays dans la main de ces dictateurs, libérer nos pays dans la main de ces sanguinaires, ces rebelles, ces terroristes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne pensent qu'aux intérêts de leurs poltrons. Chers amis, c'est maintenant qu'on doit le faire et il faut suivre la cadence, il faut suivre la danse. Chaque pays africain aujourd'hui doit prendre ses responsabilités par rapport à la libération totale de l'Afrique. Notre continent, Maman Africa, a besoin de nous tous. Il faut sauver notre continent. Il faut libérer notre continent qui longtemps a été sous l'emprise de ces dictateurs en complicité. Toujours avec l'Europe. Et c'est très simple à le faire. Un soulèvement populaire. Chaque jour, votre humble serviteur, l'amiral Bafé que je suis, je ne cesserai de le répéter. Chaque jour, quand je serai connecté, je ne cesserai de le répéter. Il faut se soulever. Il faut un soulèvement, un grand, un très grand soulèvement populaire partout en Afrique. Il faut déborder les rues, déborder les voies. Le changement que nous voulions là, comme on l'a dit l'artiste ivoirien Kérosène, le changement que nous voulions, ça dépend de nous. Ce changement-là, ça dépend donc de nous. La souveraineté que nous voulions, ça dépend de nous. La démocratie vraie que nous voulions, ça dépend de nous. Le bonheur, notre dignité, tout ça là, ça dépend de nous. Personne ne viendra mener ce combat pour nous. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra le faire tout simplement. C'est nous qui devons mener ce combat. C'est nous qui devons dire stop en se soulevant. Parce que vous savez bel et bien que aucune armée ne peut venir à bout d'un peuple en colère, d'un peuple déchaîné. Il faut se soulever pour mettre fin à ce système et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors chers amis, chers peuples d'Afrique, Afrique de liberté, bienvenue donc sur la chaîne panafricaine, bienvenue sur la chaîne de Résistance Côte d'Ivoire 2020. Je suis tout simplement votre humble serviteur, l'amiral Bafé, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Pour les nouveaux, pour les nouvelles, ici nous sommes là pour combattre ce système moribond qui est la France-Afrique. Nous sommes là pour dire aussi à ces vassaux chefs d'État, à ces présidents corrompus, à ces dictateurs, que leur heure a sonné. Nous sommes là pour dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris qu'on n'a plus jamais besoin de l'Europe, plus jamais besoin de la France, plus jamais besoin de ce système. Nous sommes là pour dire à ces personnes-là qui toujours s'entêtent à vouloir vendre notre Afrique à ce système que leur heure a sonné. Et aussi, l'heure de la France-Afrique a sonné.
Ici, chers frères et sœurs, pour vous qui venez de nous prendre en marche, nous sommes là pour tout simplement dénoncer la mauvaise gouvernance de nos chefs d'État moribonds qui n'ont pas lieu d'être. C'est pourquoi nous devons tous ici, sans exception, les chasser. Si tu es pour ce combat, chers amis, chers frères et sœurs, Afrique en liberté, et que tu es nouveau ou nouvelle sur cette plateforme, abonne-toi tout simplement, partage le direct, partage la vidéo, partage nos posts. Faut aussi taguer quelqu'un que tu connais qui est pour ce combat, qui est dans ce combat. Invitez vos amis massivement et surtout, après que vous êtes abonné, il faut activer la cloche de notification pour ne surtout rien rater. C'est très important. Il faut activer la cloche de notification pour ne pas rater nos directs, pour ne pas rater nos vidéos, pour ne pas rater nos posts, pour ne pas rater tout simplement tout ce que nous publions sur cette plateforme panafricaine. C'est très important. Alors, c'est avec un grand plaisir que ce matin, ce lundi 19 juin 2023 matin, c'est avec un réel plaisir que je suis donc devant cette caméra une énième fois pour vous parler de Maman Africa qui a plus que jamais besoin de tous ses enfants, sans exception. Que vous soyez du côté du mal, que vous soyez du côté du bien, je vais dire tout simplement que vous soyez du côté de ceux qui ne sont pas encore prêts pour le changement, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique évoluer, ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique émerger. C'est tout simplement ceux qui veulent toujours qu'on reste avec ce système qui n'a apporté que malheur, désespoir à notre Afrique. Vous êtes le mal de l'Afrique. Qu'on soit aussi du côté du bien, tout simplement, ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent l'émergence de l'Afrique, l'évolution, la démocratie vraie, la souveraineté vraie, c'est-à-dire que vous soyez du côté de l'obscurité ou du côté de la lumière, Maman Africa aujourd'hui a plus que jamais besoin de tous ses enfants parce que quand elle va sombrer, quand elle va couler, ce n'est pas nous, comme ça, qui sommes du côté de la lumière, nous qui voulions le changement de l'Afrique, nous qui voulions que l'Afrique émerge, ce ne sont pas nous seulement qui allons payer le prix. Nous tous, nous allons payer le prix si l'Afrique sombre. C'est ça aussi que la vérité. Partagez, protégez, mettez les pouces bleus. Afrique de liberté, tout à l'heure, donc, on va se rendre au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Mesdames et messieurs, il y a une information capitale qui vient juste de tomber. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Taguez vos amis, invitez vos amis massivement. Parce que tout à l'heure, la vérité donc va se savoir. C'est ça aussi que la vérité. Afrique de la liberté, tout à l'heure, je viens juste de faire un post. Un post sur YouTube dans la partie communauté où le Burkina Faso s'apprête. Hein, ils vont se retirer totalement, c'est-à-dire que c'est la magie qui est en train de s'opérer en Afrique. Le Mali est l'exemple palpable de l'Afrique des libertés aujourd'hui. Et nous disons merci, merci au capitaine Ibrahim Traoré qui a pondu un communiqué, c'est-à-dire je vais vous lire le communiqué que j'ai posté d'ailleurs sur la page YouTube. Vous pouvez aller. Hein, visionner le communiqué parce que c'est très très intéressant ce communiqué. C'est fini pour la France-Afrique. C'est fini pour l'ONU. C'est fini pour eux tous. Ils vont libérer notre Afrique. Ça, ce n'est pas un débat. Ils vont libérer notre Afrique. Alors, c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer. Alors que Dieu vous garde, que Allah vous assiste dans cette semaine, qu'il vous apporte le nécessaire, tout ce que vous vouliez, qu'Allah permet que tous ceux ou toutes celles qui n'ont pas encore de boulot, qui en cherchent à longueur de journée, en trouvent dans cette semaine. Parce que c'est très important aussi d'avoir quelque chose à faire pour pouvoir subvenir comme ça aux besoins de la famille. C'est très important que Dieu vous assiste dans cette semaine et que Allah vous garde. Alors, mesdames et messieurs, je vais rapidement vous lire le communiqué. Le communiqué venant tout droit du Burkina Faso, venant comme ça de la primature, porte-parole donc du gouvernement, communiqué Ouagadougou le 18 juin 2023.
communiqué. Le gouvernement donc du Burkina Faso prend acte de la demande de retrait sans délai de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la libération au Mali et salue comme ça cette décision courageuse. Chers amis, il faut partager, je vous prie. Faites le maximum de partage, je ne vous sens pas. Partagez le message crucial du jour. C'est une information capitale à partager massivement, c'est très important. Vous devez aussi liker, mettez le pouce bleu pour ne pas que ces adeptes du mal viennent ici pour attaquer nos directs. Le direct doit résister, la vidéo doit aller jusqu'au bout. C'est très important. Le message du jour est à la hauteur. Il faut partager. Alors, je continue. Le gouvernement du Burkina Faso salue donc cette décision courageuse formulée par les autorités maliennes de transition devant le Conseil de sécurité réuni pour sa 9350e section le 16 juin 2023 à New York. Le gouvernement burkinabé félicite le Mali pour ses choix assumés qui est conforme à la vision stratégique de l'État malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. Il encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l'État malien et l'expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maîtres de leur destin. Le gouvernement du Burkina Faso invite la communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali. Le Burkina Faso, pour sa part, demande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabées engagées au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Il réaffirme sa solidarité au gouvernement malien et à l'ensemble des peuples du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et demeure fidèle à l'idée de bâtir en toute indépendance et en toute responsabilité un monde de paix, de sécurité et de développement partagé pour toutes les Sahéliennes et les Sahéliens. Signé Jean-Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement. Alors, Afrique de la liberté, c'était donc le communiqué. Le communiqué comme ça du gouvernement burkinabé. Et ça, là, c'est ça qui est la vérité. Monsieur Antonio Guterres doit comme ça prendre toutes ses dispositions pour le retrait des troupes burkinabées engagées au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Parce que cette MINUSMA même-là n'a pas lieu d'être. Parce que cette MINUSMA, déjà, on lui a donné un délai pour quitter le sol burkinabé. Et c'est avec grand joie au cœur que cette bonne nouvelle encore du Burkina Faso est tombée. Le combat est engagé, c'est lancé. Et plus que jamais, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, avant donc d'aller au Mali pour l'information du jour, on va donc très très rapidement faire un détour en Côte d'Ivoire. Je ne peux me connecter sans parler donc de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est mon pays, la Côte d'Ivoire qui est là où se trouve encore le bastion. Le bastion français qui empêche l'Afrique d'évoluer. La Côte d'Ivoire où Dramane Ouattara doit tomber. La Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont encore, si on peut le dire, un peu endormis. Cher peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller droit dans le mur une fois de plus parce que nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs qui vont produire les mêmes effets. Cher peuple de Côte d'Ivoire, moi, sincèrement, je ne sais pas sur quoi ou c'est qui l'opposition compte pour aller aux élections avec ce gouvernement. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Tu crois l'opposition de Côte d'Ivoire compte pour aller battre Alassane Dramane Ouattara aux élections de 2025 ou tout simplement pour battre les moutons, les éléments de Ouattara actuellement hein, qui sont en train de se positionner pour sécuriser le quatrième mandat anticonstitutionnel de Dramane Ouattara en 2025. Bitogo Ayopougon, c'est pas un hasard. Il y a tellement de moutons aujourd'hui de Dramane Ouattara qui ont changé de position. Vous pensez que c'était un hasard?
Ouattara est en train de préparer 2025. Et quand je le dis, j'ai vraiment mal. Parce que j'ai comme l'impression que ce que nous voyons, la plupart des Ivoiriens n'ont que faire. Parce que pour eux, c'est déjà fini. Mais c'est pas fini. Chers frères et sœurs, c'est pas fini. Il faut sauver la Côte d'Ivoire de ce qui reste de la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Et on n'a que cette Côte d'Ivoire. Et c'est à travers cette Côte d'Ivoire que les autres contrées auront la paix. Tant que la Côte d'Ivoire sera dans la main de Dramane Ouattara, tant que Dramane Ouattara sera à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, personne dans la sous-région ne sera en paix, quel que soit le degré de sécurité que vous allez apporter dans vos différents contrées par rapport donc à leur système qui a toujours et longtemps instauré cet terroriste qui terrorise l'Afrique. Alors, Alassane Dramane Ouattara, le vieux menteur, le vieux brigand, le terroriste, est celui-là même qui doit libérer le tabouret pour que la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour que l'Afrique puisse respirer. L'ennemi commun s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est comme l'Europe en Afrique. Dramane, c'est le sous-préfet numéro 1 de l'Europe en Afrique. Nous pouvons encore sauver la Côte d'Ivoire. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore le faire. Nous pouvons encore le faire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en aucun cas, on ne devait parler d'élection. Avec toutes ces preuves qui inondent la toile. Ce n'est pas normal tout ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est longtemps d'ailleurs passé en Côte d'Ivoire. Vous avez vu au moins hein, ces preuves qui aujourd'hui, qui sont au jour, qui montrent, qui démontrent la forfaiture de Dramane Ouattara depuis tellement longtemps en Côte d'Ivoire. Et avec tout ça, on parle d'élection. Avec tout ça, on parle d'élection. Ben non, chers frères et sœurs. Dramane Ouattara, je vous dis, doit des explications ivoiriennes. Ce n'est pas notre président. En aucun cas, nous l'avons élu démocratiquement. Il a braqué ce pouvoir d'État. La Côte d'Ivoire est en otage, en complicité avec ces impérialistes. Alors pourquoi est-ce que nous devons parler d'élection en Côte d'Ivoire? Pourquoi on doit parler d'élection alors que les conditions ne sont pas réunies? On ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dénoncer. Les prisonniers politiques sont encore en prison alors que les chefs sont libérés. Les prisonniers militaires, nos frères et sœurs, cyberactivistes, on ne peut pas manifester, on ne peut pas protester, on ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Le droit de l'homme, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est une démocratie flafla avec un soi-disant président démocrate. Pourquoi devons-nous parler d'élection alors que nous savions bel et bien que ça va encore produire les mêmes effets? La Côte d'Ivoire a besoin d'être libérée avant de parler de quoi que ce soit. C'est pourquoi tous ces enfants, sans exception, vous devez vous mettre à fond dans le combat qu'est en train de mener aujourd'hui Papa Gbagbo Laurent. Parce qu'on a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est seulement le PPACI qui est dans l'opposition. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse, cette forfaiture. Comment est-ce que Blaise Compaoré, lui, a le droit d'avoir son nom sur la liste électorale de notre pays? Ça veut dire que lui, Blaise Compaoré, peut être un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça peut se faire? Et Gbagbo, qui est un digne fils de la Côte d'Ivoire, un ancien président, lui n'a pas le droit d'avoir son nom sur la liste électorale de son pays, la Côte d'Ivoire. Et Blaise Compaoré, lui, a le droit d'avoir son nom sur notre liste. C'est-à-dire, Blaise Compaoré vote a toujours voté en Côte d'Ivoire. Aïe, chers Ivoiriens. Chers Ivoiriens, chers peuples de Côte d'Ivoire. Combien de fois on va encore accepter cela dans notre pays? On va encore permettre à ce dictateur de se foutre de nous à ce point? Dramane Ouattara doit tomber. Alassane Dramane Ouattara doit tomber. Ça, là, ce n'est pas un débat.
Je vous ai toujours dit, c'est le coup. La leçon à apprendre chaque jour. Comment faire pour que ce monsieur tombe? Et d'ailleurs, vous connaissez la réponse. Un soulèvement populaire. Il suffit d'une journée. Il suffit seulement d'une journée. On ne parlera plus jamais d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une journée. La Côte d'Ivoire se soulève. Une journée, c'est fini. Partagez, protégez, mettez les pouces bleus, mesdames et messieurs. Allons-y maintenant, rendons-nous au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? On va rapidement écouter notre soeur, notre maman, la guêpe Maïmouna Camara, proche de M. Guillaume Akiba-Forussero. Elle est aussi cadre de GPS. On y va, on l'écoute attentivement par rapport à la nouvelle capitale qui vient à peine de tomber sur le Mali. On y va. Parce qu'on ne peut pas être en même temps un guide religieux et vouloir rentrer dans des facettes de la, du volet politique. Parce que s'il veut entrer vers le volet politique, oui, les gens vont lui parler en tant qu'un politicien. Là, il va enlever complètement, sa casquette ou son habit, de guide religieux. On va lui parler comme un politicien. Comment est-ce que nous parlons aux politiciens? Mais il ne peut pas rester un guide religieux et vouloir faire indirectement la politique. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Rien qui a informé rien. Soit tu es un guide religieux, soit tu es un politicien. Mais tu ne peux pas combiner les deux et vouloir utiliser quelque part ton notoriété, utiliser quelque part le fait que tu as des followers pour pouvoir changer le parcours et le travail que les politiciens. Laisse la politique aux politiciens et concentre-toi sur ton volet islamique. Et l'imam Diko aussi doit savoir que le Mali est un état laïque. Et il a toujours été ainsi. Le Mali a toujours été un état laïque. Et il a toujours été ainsi. Donc, lui, sa volonté de vouloir, quelque part, si je peux le dire, imposer au Mali une république islamique, où ce sont les règles de l'islam, voilà, qui au gouvernement, moi, je pense que ça ne peut pas passer. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas venir imposer au Mali une république islamique où ce sont les règles de l'islam qui vont gouverner le Mali. Non. Au Mali, il n'y a pas que des musulmans. Il y a aussi des chrétiens. Il y a des animistes. Il y a des personnes même qui ne croient à rien. Voilà. Qui ont des croyances vraiment qui ne sont pas reconnues par les tests. Voilà, qui non, il ne peut pas le faire, il ne peut pas instaurer cela en aucun cas. Toute constitution qui rejette la laïcité, pour moi, c'est comme si c'est une constitution qui veut profiter. Voilà, qui veut prôner l'islamisation. Non, on ne peut pas prôner cela dans un pays. Le pays doit être dirigé selon des normes, selon des règles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et j'ai même écrit une note ici où nous avons encore en mémoire la partition du Soudan entre le nord, la majorité était musulmans, et le sud, la majorité chrétien et animiste. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais aujourd'hui, la constitution proposée par les autorités au pouvoir, par les autorités de Assimi Goïta Bamako, prend en compte l'aspiration, voilà, de l'ensemble, je le dis bien, de l'ensemble des Maliens et aussi des Maliens qui sont épris vraiment de liberté, de paix, de justice, dont elle doit être votée majoritairement. Et je le dis haut et fort que le Mali est déjà un pays laïque. Le Mali est déjà un pays laïque. Et il ne peut pas venir nous dire que non, qu'il faut forcément faire tout sur la religion musulmane. Non, on ne peut pas tout faire sur la religion musulmane. J'ai pris l'exemple de notre Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui, Dieu même, il accepte qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des animistes, tout le monde fait ce qu'il veut, alors que lui, là, il a la possibilité, il a le pouvoir de tout changer. Mais il laisse tout faire. Il dit, j'attends le dernier jugement. Mais l'imam Diko, qui est-il pour dire que lui, il va imposer quelque chose? Il ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, c'est en train de diviser. C'est en train de chercher quelque part à diviser le Mali. Nous avons des adeptes aujourd'hui qui disent, ah non, on supporte l'imam Diko,
Non, voilà, on veut que le Mali soit un pays musulman. Non, on n'est plus à ce stade. On n'a qu'à se dire quand nous disons la vérité. On sait que le Mali, à la majorité, c'est des musulmans. Mais on ne peut pas venir imposer. On ne peut pas venir. C'est comme si on faisait la charia indirectement. On ne peut pas le faire. On donne la possibilité à tout un chacun. C'est ça. On donne la possibilité. Parce que moi, là, franchement, la posture que l'imam Diko est en train de prendre, là, c'est la posture d'un politicien. S'il veut faire la politique comme ça, il vient au front et qu'il nous dise qu'il veut faire la politique. Et nous allons le contredire sur ses dires basés sur le volet de la politique. Mais il ne peut pas partir sur le volet d'un homme religieux et créer la zizanie. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. On a coqué et puis sini à me regretter, à me nimer sans accord là. Ni imam dit qu'on veut faire la politique lesquels, à une politique sera fait. On nous fera ni bien. Amen à Djabi, politique sera fait. Amen à Djabi, enseigne, comment on appelle, Boyaka, politique sera fait. Maintenant, qu'on a fait tout, imami, almami ka sera fait, Fanani. Aïe tout, almami ka sera fait. Ate se ka flabe, nyami. Ate se ka be. Mali la, enseigne, slamo be. Chrétien be. Mou be, Fanani, olu Fanani, ote, ala, ote, comment on le dit. On m'a là, à la reka, à la reka, elle, cola, elle. Mais allons, tu sais qu'on a faux, allez, quelqu'un, tu sais qu'on a voulu qu'on a faux. Quand non, comme Mali est qu'à slamé droulé. Fouette, qu'il y a fait béquet, slamé fin, elle est qu'à, allez, qu'à, allons, qu'on coune, allez, quelqu'un est à faux. Quand y a tué, quand il chrétien, on veut mal là-haut, slamé, on veut mal là-haut, moutel, là, à la cacola-haut, allons, loup, béto, mal là-haut, bébé, à ta kéfé, à jugement dernier. Kiti, à laquelle le bena kiti bo. Mais vous ne changez la bi. Vous ne changez la. Allez avec moi, mi fokounou. Allez avec moi, ware for la bi toune. Est-ce que c'est le fait que, bon, anya donc a li Emmanuel Macron ka di. Anya o donc a bon. Mais c'est pas une raison pour que, barami, comment on appelle, il y a quelqu'un qui dit pendant le référendum, de 1992, Diko a dit oui pour la laïcité. Pendant le régime d'Ibeka, Diko a dit oui à la laïcité. J'ai les vidéos, je peux vous envoyer. Oui, moi-même, j'ai les vidéos, je vais partager. Donc, lui-même, il a dit oui. Allez, reco, laïcité là. Mais mon assistant, Ananake, Asimik, Terel, l'assistant, il est fait qu'à quoi on change. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Anga, il est boyan. Oui, alors il y a un bonheur. Et qu'il y a une bla position, mina, moi, il y a un doigt, il y a un réseau social, quand. Moi, il y a un comment de fouiller, après, c'est pour dire, si c'est un dernier, autant, bonheur, ce qu'on appelle, ils ne respectent pas les enfants d'aujourd'hui, ils sont impolis. Mais il y a un bla position, mina, il veut faire dromaya, et qu'il a, ou bien un dromaya, et qu'il a. Et puis, il veut faire, mina, dans le respect où tu es là, il faut rester dans le respect. Et tes politiciens, il était politicien. Il devait faire la politique et faire la vie. Il est politique qui est normalement. Déjà, déjà, qui veut faire la politique. Mais quand il faut qu'il me dise bla, il m'a mis, c'est le délégué là, qui est bla aux conditions là. Si ça, quand il faut mourir, quoi est un sabotage. Ah, mais attends, la bédé, à la rèque, on dit fait ce béquet là. Qu'on a des tas là, ben ça l'a fait. Avec Willy, à bas faux. On est bédé bla là, comment on a dit. Donc, il n'a qu'à arrêter. Le travail que Assimi Goïté est en train de faire au Mali, là, moi aussi, ma ké, a yé tchanfo, ni mi kéro le before. Le travail que Assimi est en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas un président, je le dis haut et fort, il n'y a pas un président qui a fait mieux que Assimi. Il n'y a pas. Regardez en si peu de temps. Parce que avant commencer la commune, ne me confie. Qu'on famille là, mais qu'on les mène à quoi? Parce qu'il arrivé un moment, ni référendum, il n'en a témé. Parce que les informations mises sur la ligne, les informations que je reçois, c'est pour dire que si le référendum passe, parce que la majorité des Maliens veulent le changement, ils vont voter cette nouvelle constitution. La majorité des Maliens sont pour Assimi Goïta, ils sont pour cette nouvelle constitution. Et si ça passe, ni oui, il en a gagné. Ni il m'a dit qu'on en a fait mourir. Il y en a quoi, il y a un bon drôle qu'on a. Quand tu as sabotagé, quand tu as drôle, il y a un ami. Ni bon, il en a là, il m'a dit qu'on a fait mourir. Quand tu as fait mourir,
bonyani ke ah konela sekuma bonyani ke ah mali tiana ah mali golate ah mali bolate. On n'a pas envie d'entendre ça parce que le jour qui va faire sortir des gens dans les rues aller manifester ou bien vouloir gâcher votre faire un soulèvement populaire et que on fait des arrestations, faut pas que quelqu'un vienne se plaindre ici. Il est tortue hier là. Ah, tortue hier là. Ni me fanye ta bonya sera fait, amé ta bonya sera fait. Ni me fanye tchanfo nyon yana, amé tchanfo nyon yana. Parce que bim malini, malini yana te asimi boye ta bolo. Mali et mali on le bolo si ça. Mali on ben koko be asimi fait. Tous les maliens sont unanimes qu'ils sont pour asimi goita. Je vois trop de campagnes du monsieur là, l'imam Diko, je le vois trop. J'ai l'impression que c'est un sabotage. J'ai l'impression que c'est un sabotage. J'ai l'impression qu'il y a une main qui est en dessous de ça. J'ai l'impression qu'il y a un financement qui est en dessous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'emmener à sortir et gâcher. Et dire que le peuple malien ne veut pas d'Assimi Goïta. Nous tous on sait que le peuple malien veut d'Assimi Goïta. 95% du peuple malien veut d'Assimi Goïta. C'est de ça. Donc Imam Diko, il y a Dabla. Il veut comme d'ailleurs comme d'amener. Amala Dalaya Dabla. Il faut arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas là, Doyama ben à boire là. Parce que l'autre il y a Imam y est tourné. Quand tu ne pas, tu ne pas de bonheur, tu ne pas de tu ne connais pas de place là. N'est-ce pas bien, nous, mais Alassane Nena, brigand, sanguinaire, voleur, marmailleur, Alassane Nena, c'est pas ça, Alassane Maire Bla, tu ne connais pas de place, il est là. C'est pas ça, Maire Bonheur, ni même moi, il est bonheur, il est bonheur. Quand tu veux qu'on te respecte, tu te fais respecter, tu respectes. Mais il y a un qu'est-ce qui fait. Il y a un sabotage qui est là. Il y a un peu changé de façon mina, car bon qui me dit, il me dit, couramatéreli, comment on fait, car son barami, qu'elle a, il me assimi, car cobla, assimi, car, comment on appelle, saint du corps, parce que il est, il est Macron qui a dit, en un champignon, il est Macron qui a dit, donnez Macron le vie blala, là, on te rend la même, comment on folle là. Si c'est Macron qui est en train de te dire, de faire sabotage, parce que je dis tous les jours, je dis l'ennemi ne vient jamais de loin. L'ennemi ne vient jamais de loin. L'ennemi commence toujours dans ta maison. Donc si tu es un envoyé de Emmanuel Macron, que c'est une voie pour eux de pouvoir gâcher le travail qu'Assimi est en train de faire. Hé, Bekado, on m'a dit, la personne qui va venir saboter le travail qu'Assimi est en train de faire n'est pas encore née. Tu n'auras pas dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut gâcher le travail que Assimi est en train de faire. On n'a qu'à se respecter. Ami Bonya. Ami Bonya. Ami Bonya, Imam Diko. Mais il y a un Bonya qui est sous la terre. Il y a un Bonya qui est sous la terre. Parce que tu as un Bonya qui est sous la terre. Il y a un Bonya qui est avant dernier, il y a un blanc pour moi sur la réseau social. Parce que l'image sous-trable est là. L'image tout est un bonheur. Il y a un amen à commander, un double à commander, un diaye. Amen à son quoi. Quand nous doutons, mon roba au bonheur, mon roba bonheur, t'as là. Amen Malika ville là. Comment est là? On parle de l'avenir du Mali. On parle du bien-être du Mali. On parle de l'avancée du Mali. Parce que si vous voulez créer Michel Abinia, il faut dire un bien devant tout le monde entier. Que c'est un palabre, comment on appelle, un combat panafricain. C'est un combat panafricain. Ce n'est même pas un combat de Assimi Goïta. Donc, ni Sarala le haut, on ne peut pas là. Ni moi le foule, on ne peut pas là. Mais ne me mire là, ne voler les fois là. Ce que je vois, c'est ce que je suis en train de dire. La manière dont les choses sont en train de partir, les sabotages qui sont en train d'être faits, la campagne pour gâcher. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ayokuma, il m'a dit comment. Ayokuma. Vous avez vu comment on appelle le shérif de Nero. Vous avez vu comment il s'est comporté. Il soutient ce que les jeunes veulent. C'est que cette génération.
génération veut. Lui, il soutient. Mais pourquoi lui, il manque Diko? Quelque chose que toi-même, tu as dit dans le passé. Il est avec un que lui me fait payer choix libre ou solo. Mais aujourd'hui, là, pourquoi tu veux venir imposer? Non, on est dans un pays démocrate. On est un pays démocrate. Niko Femi m'a dit, bon, Mani, on ne va juger que. Et tu sais qu'il y a un faux qui vient à sabotager que. Et tu sais qu'on a un faux qui vient à sabotager que. Et tu sais qu'on a un faux qui vient à sabotager que. Et tu sais qu'on a un faux qui vient à sabotager que. Et tu sais qu'on a un faux qui vient à sabotager que. Et tu sais qu'on a un faux qui vient à sabotager que. On te respecte, ce n'est pas une histoire de peur. Aujourd'hui, là, la vie de tout un chacun est à risque. Assimi, aujourd'hui, sa vie est à risque. Sadio Kouesho Kamara, sa vie est à risque. Monimo Kouesho, sa vie est à risque. Aboula Diop, sa vie est à risque. Tous les Maliens ont leur vie qui est à risque. Parce que ni, quoi qu'elle a mal là, ça va toucher tous les Maliens. Oui. Ni, quoi qu'elle a mal là, elle va toucher tous les Maliens. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir du peuple malien qui est à risque. Donc, tu es dans son compte, tu es dans son sabotage. Tu es dans son compte, tu es dans son compte. Tu es dans son plastique. Tu es dans son plastique. Parce que Niki va te faire un dollar. Le manque de respect va sortir dans ça. Le manque de respect va sortir dans ça. C'est le qui... Chers amis, Afrique de la Liberté, c'était donc l'intervention de votre humble serviteur, Lamrek Bafé, et aussi de Maïmouna Kamara Di Lagepo, proche de M. Guillaume Akbaforisoro, cadre de GPS. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de nous avoir suivis. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos directs. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Nous allons à présent mettre fin à ce direct, mais n'oubliez surtout pas que... vous devez partager, vous devez liker, vous devez inviter, taguer vos amis, c'est très important. Et aussi ce soir, on sera encore là pour notre direct. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse quand nous assiste en ce lundi 19, je crois bien, ou 19 juin 2023. Ciao, ciao, à ce soir.